Donc, on va commencer à choisir d'autres objets. Je vous propose entre 5 et 6 objets. On va aller avec ce que vous avez chez vous. N'oubliez pas, je ne vous demande pas d'acheter rien. On veut faire une fête les moins chères possible avec ce qu'on a à la maison dans les thèmes, soit dinosaures comme moi, soit nos thèmes que vous avez décidé de faire chez vous. Donc, on va prendre entre 5 et 6 objets de plus qu'on va pouvoir utiliser dans cette décoration. Mais là, Lily, comment choisir ces 5-6 objets des plus? On commence à se transporter dans les thèmes. Dinosaures, ça nous fait penser à quoi? À des plantes, à des arbres, à forêt. Quand j'ai vu les napperons en bambou, j'ai tout de suite dit, ah, oh, ça peut être une pièce intéressante. Mettons que de ton côté, tu as choisi d'aller avec licorne. Ah, ma fille aime les licornes. Donc, hier, j'ai trouvé deux toutous licornes dans sa chambre. C'était mon point de départ. Comme moi, mon point de départ sont les deux dinosaures. Donc. Et là, tu te promènes chez toi et tu vas ouvrir l'œil pour tout ce qui fait un rappel dans le monde des licornes. Qu'est-ce qui fait rappel dans le monde des licornes? C'est de la magie, des couleurs douces, peut-être du rose mauve, des couleurs pastel. Il y a une veilleuse arc-en-ciel. Voilà. Donc, comment trouver les objets? Vraiment, une des choses, c'est de penser dans l'univers du thème et ouvrir l'œil chez vous pour des objets qui font appel à cet univers.